Salut à tous les amis, c'est le Antouplay, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Prison Architect, oh yeah, j'adore faire ça. Et aujourd'hui, c'est les vacances, wouh, je suis en vacances, je viens de terminer les cours, il est exactement, 16h, bon j'ai terminé à 15h mais j'ai pris une heure pour rien foutre, enfin faire autre chose quoi. Et là j'en profite pour vous tourner cette vidéo, donc je suis enfin en vacances. En plus le bonheur de terminer tôt quoi le vendredi, c'est juste, c'est tellement, tellement classe. Et donc Noël est alors si je calcule bien dans 5 jours, si je dis pas de conneries, c'est mercredi donc le 25 décembre. J'ai reçu mon micro, je l'ai monté. Alors par contre, je précise, je tourne pas encore avec. Hein. Il est pas encore branché. En fait, il me manque un câble, mais sinon le matériel est nickel. Hein. Je l'ai reçu hier matin par UPS. Là, un beau carton Music Man. Music is our passion. On l'a monté avec le pied, l'anti-pop, il y a tout ce qu'il faut. Il est vraiment très très classe, les finitions sont très très bien faites. On sent que c'est un produit de qualité que je vous conseille, bien sûr, si vous avez envie d'un bon micro. Mais je ne l'ai pas encore testé. Hein. Il y a le petit préampli à côté de moi, là, que je peux toucher d'ailleurs. Mais bon, on va essayer de faire ça dès que j'ai mon câble, là, je testerai. Sachant aussi que là, niveau audio, je n'enregistre pas avec Audacity, mais avec Action. Parce que finalement, le bruit de fond qu'il y avait avant, il est très réduit. Il n'y a plus un petit bruit de fond très aigu. Bref, ça devait être un problème de driver. Voilà, comme ça, le son est parfaitement synchronisé avec l'image. Et le truc que je peux faire, c'est qu'ensuite, je peux tout simplement... Le truc que j'ai à faire, c'est juste à passer la bande de son sur Audacity et à enlever le bruit de fond, quoi. C'est juste ce que j'ai à faire. Donc, c'est perfecto. Voilà. Ça va être un des seuls épisodes où je ferai ça, puisque de toute façon, je tournerai avec mon nouvel épisode. Bon, revenons-en à Prison Architect. Alors, je m'excuse déjà, j'avais dit que je laisserai plusieurs jours passer dans le jeu pour accumuler un peu de fric et pouvoir construire davantage. Vous voyez, acheter d'autres parcelles de terrain pour agrandir. Bon, j'ai complètement zappé, hein, j'avoue. J'ai zappé. Mais bon, je ferai ça ce week-end. À partir du prochain épisode, on fera ça. Tout d'abord, nous allons essayer de faire une petite transition électrique. Alors, laissez-moi vous expliquer le plan. Mon projet était d'agrandir la cuisine. Alors, je sais pas comme vous... Enfin, vous vous en souvenez, normalement, on va rajouter des cookers. Alors, le truc qu'il faut, c'est que on va transférer. On va utiliser cette power station ici présente que je viens de construire. D'ailleurs, qui a pas la même couleur. Hein. Vous voyez, là, c'est bleu, jaune, bleu clair. On me l'avait dit dans les commentaires, ça. Va s'occuper de tout ce qui est cette partie-là de la prison. Pendant que celle-ci s'occupera de la partie droite et, en l'occurrence, de la cuisine. Alors, ce qu'on va faire, déjà... On va faire ça correctement. Je dis bien correctement parce que ça fait plusieurs fois que je tourne cet épisode. J'ai fait ça un peu à la One Again et c'était vraiment, chaud, chaud, chaud patate. Et ça a causé plein de problèmes. Il y a eu des émeutes. Enfin, c'était la merde. La merde de chez merde. Bref, j'ai pas envie de recommencer. Enfin, je veux dire, j'ai pas envie qu'il y ait encore cette merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que déjà ici, on va relier gentiment par ici. Et il faut bien sûr que là... Ça aille jusque dans la cuisine. Voilà, par ici. Parfaitement. C'est pas super optimisé, mais bon, c'est pas très grave. Donc maintenant, il faut que je sectionne les bons câbles. Enfin, faut pas que je fasse le con. Donc déjà, un câble à sectionner ici, un câble à sectionner ici, et un câble à sectionner ici. Et là. Voilà, les deux câbles ici sectionnés. Un câble ici sectionné. Un autre câble ici. Et là, elles sont parfaitement hermétiques. Tac, voilà, et je relis ici. C'est parfait. Allez, vous allez me faire ça en 2 secondes. Alors, j'espère qu'il n'y a pas de problème et qu'ils vont faire les choses dans l'ordre. Sinon, je suis dans la merde. Et ben voilà. Le mec, la première chose qu'il a fait, il a coupé le fil, évidemment. Alors là, ils ont intérêt à se manier le derche rapido. Surtout ici, là, va falloir qu'ils se grouillent. Parce que les cuisiniers doivent préparer la bouffe. Ouais, ils vont devoir préparer la bouffe et ça va être un petit peu le gros bordel. Ici, ils installent. Voilà, bon, j'aurais un peu facilité la tâche. J'ai pas foutu ça ici, puisque de toute façon, ils auraient pas pu y aller. Bon, ils amènent à la cuisine. Par contre, si vous pouviez vous manier le derche... Alors, lui, il est bloqué, quoi. Allez, bouge.
Voilà, allez, installez-moi ça. Par contre, c'est la merde, hein. Ouais. C'est la grosse merde puisqu'ils vont pas pouvoir bouffer les prisonniers. Putain, fuck. Va falloir qu'on gère ça. D'ailleurs, en parlant de d'émeutes tout à l'heure, ça me fait penser. On va recruter d'autres gardes. Voilà. On a recruté 6 gardes en plus. Et ça va me permettre de jeter un œil. Attendez, je mets le temps. Oh, je peux le déplacer, ça, c'est génial. Oh, je savais pas. Je vais le foutre là. Voilà, c'est parfait. Quoique c'est un peu déstabilisant. Je vais plutôt le laisser là. Donc je disais, je vais rejeter un œil au déploiement, aux patrouilles de garde, parce que c'était un petit peu mal au pied. D'ailleurs, je vais en rajouter de ce pas. Oui, alors c'était dans la cuisine, je voulais en mettre une. Voilà, exactement ici. Alors, il me fallait un garde là. Deux gardes là. Deux gardes là, un garde là, un garde là. Alors, ouais, ça me semble bien là. Et là, deux gardes dans la cuisine. Puis voilà quoi. Pareil là. Enfin voilà quoi. Et là, on peut remettre. C'est parti. Ils sont affectés, c'est parfait. Bon, par contre, là, le petit déj, ça va être juste la merde. Ils n'ont pas de bouffe. J'espère que ça va se passer sans problème. Attendez, on va jeter un oeil. Ils ont sectionné partout. Ouais, c'est nickel. Il manque 4 câbles et c'est plié. Par contre, ils auront pas le temps de préparer le petit déj. Ah, c'est marrant. Oh, il manque le câble là. Le câble. Dat câble. Il manque le câble. Celui-là aussi d'ailleurs. Voilà. C'est alimenté. C'est parfait. Ok, voilà. Magnifique transition, bah voyez, on a géré. Bon, par contre, ils vont pas bouffer. Là, ça va être vraiment, vraiment chaud. Les cuisines n'ont pas pu préparer le petit déj. J'espère qu'ils vont se rattraper à midi. Sinon, on va se taper une putain d'émeute sur les bras. Avec les prisonniers aériens, ça va pas le faire. Là, vous voyez, danger, là, ça monte. Je fais très, très attention. J'ai absolument pas envie qu'une émeute se déclenche. Ce serait le cadet de mes soucis, là. S'il vous plaît, hein. Quoique, il y a la bouffe qui est prête. Ah, quoique j'ai limité les dégâts. 19%. Ouais, bon, c'est un peu limite, hein. Attention, on fait gaffe, on fait gaffe, on fait gaffe. On est à 5 de danger, on est à 5 de danger. Ah ouais, alors là, ce que j'ai fait, c'est que pour éviter les meutes, tac. Enfin, je peux laisser passer le temps, je sais pas pourquoi j'arrête. Là, à régime, on va passer en free time. Parce que là, sinon, ça va être la merde. Ils vont s'agglutiner et ça va partir en lourd de baston. Voyez, il y a déjà des bastons. Allez, cassez-vous. On évacue le yard. Alors là, c'est la méga baston. Ouais, y en a, ils se sont pris des grosses patates là. Vous voyez, tac, régime. Yard, c'est bon, on remet. Bon, voilà, là, il y en a, ils ont pris vraiment des grosses patates. Y en a qui étaient un petit peu susceptibles là. Ils ont pris très très cher. Bon, j'espère que personne n'est mort, hein. Non, ça va. Et putain, mais il y en a, et sérieux, et là, il casse tout là. C'est quoi le délire, hein? Hein? C'est quoi le délire là, les mecs, hein? S'il vous plaît. Pourquoi il y a. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils foutent, les jardiniers là? Là, va falloir bosser, hein? Bah, il y a les gardes qui ont été blessés. Toi, tu vas me soigner ce garde là, parce que attendez. Garde là, toi, tu vas soigner lui. Soigne-le, il va pouvoir retourner bosser, voilà. Voilà. Les gardes sont soignés tranquillement. Ça va être l'heure de la bouffe. On a des gardes dans la cuisine, c'est parfait pour maintenir l'ordre. Là, bon, je sais pas ce qu'ils foutent, hein. Les prisonniers sont tranquilles, pépères, tout seuls. Et on va construire ces cellules pour terminer enfin ce bloc, qu'on puisse commencer celui-ci. J'espère qu'ils vont bosser convenablement ce soir. Enfin, tout à l'heure, cet après-midi plutôt. Il y a des taches de sang partout, c'est la merde. Ah, ils ont pris vraiment cher, hein. Il y a des prisonniers là. Bon, alors là, est-ce qu'il y a assez là? Non, merde, c'était pas lui, je voulais. Allez, posez la bouffe là. Ah, le danger il augmente là. Le danger il augmente. Non, c'est bon, ils vont servir. La bouffe arrive, autosaving. À chaque fois, ça me fait peur les autosaving. Non, c'est bon, regardez. Regardez, voilà. Ouh, la petite performance. Non, c'est bon. Voilà, le danger baisse comme il faut. 50%, c'est parfait. On va voir dans les needs. Needs food. Ah, quand même, hein, y a une vingtaine de prisonniers qui sont pas du tout satisfaits. Bon, ça va, ça reste. Le danger a fortement baissé, on a nourri 60%. On fera mieux ce soir.
Vous inquiétez pas, en tout cas, le plus important. Ah merde, il réaugmente le danger là, ça va pas. Bon, ils vont aller bosser en attendant. Ah, le mec, il avait une truelle sur lui, hein. Là, bah, il y avait un tunnel, hein, effectivement. Bon, gars, là, t'aurais pu creuser encore longtemps. Hein. Tu te serais retrouvé entre les deux murs, t'aurais l'air con, hein, puisqu'on peut plus sortir en plus. Ça fait penser qu'il va falloir faire un shakedown bientôt. Là, ça faisait assez longtemps qu'on l'avait pas fait. Pour l'instant, vous allez bosser tranquillou. Allez, on va lancer. On va attendre que le danger soit descendu au max. Et on va faire un petit shakedown. Tu vois, regarde, il y a un garde blessé là. Ça, ça va pas, ça. Dans la prison, c'est pas possible. Pareil, là, on a un prisonnier blessé là. Et on a toujours les morts là. Jacqueline et Michel là. Qui veulent pas se barrer. Oh putain, lui, alors lui, il avait de la drogue. Ah, bien joué, hein. Ah, bien joué, hein. Jerry Sandwich là. T'as une tête de vainqueur en plus, hein. Non mais en plus tu t'as de la drogue sous les... Enfin non mais il te reste 4 ans à tirer quoi. Et toi t'as de la drogue sur toi quoi. Non mais là tu devrais prendre au moins 10. Ouh. Alors lui il est buggé. J'avais jamais vu ça. Carré noir. Bon, c'est pas grave. On a une forte demande de closing là. Ça arrête pas d'augmenter. Là le linge, j'espère qu'il... J'espère que le linge là il... Ouais mais ça m'étonne parce qu'il y a vraiment beaucoup de... Et un marteau. Allez. Bah Wilson là. Et allez, un drill. Bah allez, hein, tant qu'on y est, hein. Pourquoi pas. Allez, là, il y a de la bouffe. Vous allez pouvoir reprendre des forces après cette dure journée de travail intensive. Intensive. Ah, voilà, il a arrêté de bugger. Il va pouvoir aller au shot. Et ben voilà, regardez ça. C'est pas beau, ça. Des prisonniers heureux de manger. Il va falloir que je fasse gaffe parce que j'ai l'impression que là, la cuisine, elle commence à devenir un petit peu étroite. On a combien? 114 prisonniers, 127 places. Bon, ça va encore. On va attendre minuit histoire d'avoir la paye. 55% c'est tout? Non, je nourris que 58%. C'est marrant ça, je pensais avoir fait plus. En tout cas, ils m'ont l'air d'avoir bien bossé. Ils m'ont l'air d'avoir bien bossé, ça c'est pas mal. L'autre, il est encore en train de glisser sur la route. Des fourchettes et des cuillères. Allons-y, allons-y, il y en a toujours, toujours. Par contre là, le linge, vous en avez, alors profitez-en les gars. Ah non, mais c'est vraiment... Je vais peut-être rajouter une laverie, hein, les gars. Ouais, ouais, je vais rajouter une laverie, je pense. On va faire ça, on va faire ça de ce pas. On va rajouter une laverie parce que là en linge c'est beaucoup trop. On va se refaire une laverie les gars. Mais alors où? That is the questions. Bah écoutez, va falloir agrandir la prison, il n'y a pas de miracle hein. Ou alors on transforme ça là. Non, ils en ont besoin. Ou alors on se transforme cette cellule hein. Ouais. Enfin je veux dire, au lieu d'ici de faire une douche, on fait une laverie. Ok, ouh, pas mal, ouh, 12 000, c'est bien. Ça, ça va me permettre de rajouter encore d'autres cellules. Non, attendez, on va pas faire les cons, on va économiser. Ici, je pourrais faire une laverie peut-être. Ou alors ici, tout simplement, hein. Ouais, faire des laveries là. Hein. Ouais, histoire que tous les prisonniers bossent. Ouais, on va se tester ça, les gars, on va se tester ça. Par contre, ça va détruire les murs là. Attendez, je réfléchis. On va pas faire une laverie trop grande. Hein. On va faire ça. Alors, j'ai fait combien? 10 mètres. Ouais, c'est bien. 10 mètres sur 5. Ok, c'est parfait. On va faire ça à 10 mètres sur 5. On va mettre... on va mettre une porte. Ça va casser les murs. Je vais devoir faire gaffe à ça. On va cloner aussi. Ah mais faut que j'économise. Ouais, faut pas que je fasse le con avec ça. Faut que j'économise pour les machines à laver là. On va faire ça comme ça. Non, ça va, ça bouffe pas trop. Et là, on prend la dernière. Tac. Voilà, 5 nouvelles cellules. Ok, c'est bon, il nous reste largement assez pour faire les nouveaux trucs. Alors, par contre, ouais, vous maniez les gars, s'il vous plaît. On n'a pas que ça à foutre, là, j'ai envie de dire. Il y a des limites quand même, hein. Grouillez-vous. Bon, j'ai combien de prisonniers qui arrivent demain? 8, c'est tout. 4 qui sont sur les 3. 2 dead bodies. Bon, ça, 2 dead bodies, hein, voilà. Bon, le linge.
Dead Bodies Valuation. Bon, ça, c'est les deux visiteurs. Hein. Et on a quand même une valeur de 400. Ouh, ça vient de baisser là. C'est quoi ça? Ouais, Serious Injury, ça a fait baisser un peu la somme. Alors voilà, ça, on va arranger direct. Direct. Mais direct, hein. Là, direct. Voilà, direct. Pareil ici. Des petits murs, voilà. Parfait, perfecto. Et on va installer les petites rooms parce que j'ai pas l'impression qu'il y a assez de laverie. Laverie, laundry. Voilà. Ce seront des petites laveries, bien sûr. Hein. Pas très grandes, mais bon. C'est déjà ça. On aura de quoi mettre quelques machines à laver. Et les gens pourront venir bosser. Ce sera très étroit. Il y aura. Allez, ici on va foutre. Ouais, on va foutre les baskets au fond là. Ici, ouais. Attendez, regardez ce qu'on va faire. Alors, les laundry baskets. Voilà, on va mettre ça. On va mettre 3 tables à repasser. Ça coûte combien? Non, ça coûte que dalle. Voilà, ça comme ça. Et on met 2 machines à laver. Ah, on peut pas les... Merde, on peut pas les... Ok. Voilà, 2 machines à laver. C'est largement suffisant. Et ça m'a coûté 2000. Ok, on va s'arrêter. On va faire la première et on va attendre le lendemain pour faire l'autre. Hein. S'ils me construisent des murs un jour, ouais. Ce serait sympa. Les mecs, ouais, voilà quoi. Bon, j'ai essayé de faire un truc à peu près symétrique. Le truc qui est con en fait, c'est que j'ai complètement oublié de faire un truc. Je suis complètement idiot. J'ai fait l'électricité pour la cuisine et au final, le seul truc que j'ai fait, c'est que j'ai oublié de mettre les cuisinières. Ce qui est un petit peu stupide en soi. Bah écoutez, on va attendre un jour de plus, hein. Ouais, on peut faire ça, on a le temps. Quoique ça coûte combien? 500 un cooker? Ouais, allez, on va se les acheter, hein, écoutez. 500. Allez, 500. Et j'ai plus de fric. On va quand même garder. Alors, est-ce que j'ai assez? Non, c'est bon, normalement. Normalement, c'est bon. Ils vont pouvoir aller installer les cookers. Tout va bien. Les corps qui glissent. La bouffe qui... se prépare, c'est bientôt l'heure du réveil. Tout le monde va aller prendre sa petite douche. Et on n'arrête pas de baisser de prisonniers. C'est un truc de fou quand même, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on perd plus de prisonniers qu'on en gagne. Ça c'est choquant. Et vous avez vu que là tous les circuits électriques ont changé de couleur. Enfin, celui-là est bleu. Nous avons le jaune, jaune, enfin vert et jaune, voilà. Et comme ça on peut se repérer dans les différents circuits électriques. Voilà, parfait. D'ailleurs ici, ils ont pas l'électricité. J'avais jamais fait gaffe. Ah, 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 what? Oh putain, le danger augmente. Ah là, la bouffée est prête normalement. D'ailleurs, j'ai combien de cuisiniers encore? 13. On va en mettre... Ah, j'ai pas assez de thunes, c'est vrai. Allez, servez-vous. Servez-vous, servez-vous. Oh, ils ont pas eu le temps de bouffer là. Ah, le matin, ils ont pas assez de temps. Oh, le danger... Non, 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 non. Non, non, régime, régime. Free time. Bon, on va mettre du free time là. Là, on va mettre du free time parce que le matin, faut qu'ils aient plus de temps pour bouffer. Faut leur mettre 2 heures au moins. Ouais. Faut leur mettre 2 heures. Allez bouffer là. Voilà, comme ça. Là, ils seront plus satisfaits. Le danger va baisser. Ouais, parce que là, non, non, le yard, c'est la merde. Hein. On a qu'à leur foutre 2 yards. 1 yard, voilà. 2 heures de free time. 1 yard avant d'aller bouffer. Non, mais le danger, il augmente. Non, on va leur laisser le free time. Le yard, on va en mettre qu'une heure hein, dans la journée. Et encore, on est gentil, quoi, tu vois. Là, ils sont déjà en train de préparer. Par contre, là, je sais pas ce qu'ils foutent, les workmen. Mais si vous pouviez aller installer, là, bah, ils installent l'électricité et l'eau. Faudrait peut-être que j'en embauche. Ouais, j'ai plus que 35. J'ai plus de thunes. Et ils se sont encore bastonnés. Putain, wow, 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 le mec il attaque le chien là, wow. Oh, il s'est pris. Là, il s'est pris une putain de déculotté là. Il a mangé. Il a bien mangé même. Auto-saving, à chaque fois je flippe. Là, je suis trop stressé quoi. C'est les vacances là. Bon, c'est l'heure de bouffer bientôt, non? D'ailleurs. Ah, j'ai plus de thunes. Ah, je peux rien faire là. Je peux rien. À moins que ça coûte combien Ah, si, je peux. J'espère que ça va pas détruire la centrale. On a combien? Oh, on a
Ouais, c'est bon, il nous reste, si je compte, 6 barres, ok, 6 capacitors en gros. Et de la drogue a été retrouvée. Et ils ont pas le temps, les cuisiniers, c'est abusé, ils ont pas le temps. Alors, est-ce que là, je vais réussir à faire un bon truc? Ils ont 2 heures pour bouffer, hein. Là, on va voir s'ils arrivent à faire une belle performance, hein. Voyons voir, ça monte, 20. Oh, la moitié, ils bouffent pas. Je sais pas ce qu'ils glandent, ah, ils attendent peut-être. Non, là, ça va, ça va, ça va. 30%, putain, mais en fait, ouais, y en a plein qui bouffent pas, en fait, hein. Ils ont pas l'air d'avoir envie d'aller bouffer. Il y a une caméra de sécurité qui bug là, juste là. Ah bravo, hein, les caméras de sécurité. Bon. On aura fait que même pas 50%. Ouais, ça m'étonne. Attendez, je vais jeter un petit coup d'œil à Nades. Ouais, mais c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Bon, alors le linge, j'espère que ça va. Attendez, job. J'ai pas fait job. Job, 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 job. Where is job? Allez, 6 ici qui pourront aller bosser. Et 6 autres qui pourront aller bosser dans l'autre laverie. Et les cuillères là. Alors pitié. Non, c'est bon, le danger est à 1. On s'en fout. Ah, bah tiens. Le truc qui est con, c'est que j'ai pas pensé à faire une garde patrol. Ici en fait. Voilà. Comme ça, il y aura un garde constant dans le. De même dans le yard. Tandis que l'autre, ouais non, l'autre il est pas très sollicité. Il y a des fringues par terre là dans la douche, ça va pas. Bah tiens, il les ramasse d'ailleurs. Allez bosser les gars. Ah mais il n'y a pas de flotte. Il n'y a pas de flotte. Ah bah putain, voilà. Je suis en négatif, j'ai plus assez de thunes. Il manque juste de l'eau. Il manque juste de l'eau. Non mais par contre là, ouais. Là un petit garde là quand même, hein. Non les gars là, ça va pas, hein. Working, mais working. Et Frost là, Frost, on arrête de se la toucher là. Hein? T'as envie de dormir? Bah oui, c'est normal en même temps, hein. Non mais oh là. Faudrait peut-être que j'embauche d'autres janitors aussi parce que la prison commence à devenir assez imposante. Et vraiment, là on se fait déserter, hein. Tout le monde se casse, c'est n'importe quoi là. J'ai pas envie de prendre trop de high risk parce que les high risk, ça. Bon, je vais avoir 11 prisonniers demain, ça va me faire. 17, ouais, mais c'est pas assez là. Mais là, franchement, j'y crois pas. Il y a pas assez de prisonniers qui viennent, quoi. C'est chaud, hein. Bon, alors là, la bouffe est prête. Ah, le mec chopé à l'entrée direct avec une cuillère. Là, ça va pas, hein. Il voulait peut-être manger son dessert. Hein. Le mec avec une scie. Alors lui, par contre, toi, tu prends 40 ans de plus, hein. Avec la scie, là, c'est bon, t'es foutu, hein. Bon, est-ce qu'ils ont bien bossé? Ouais. Bon, on va pas faire une performance géniale, géniale, mais bon. Alors, ça bouffe bien ici? D'ailleurs, je regarde en régime. Comment j'ai mis? Known variety. J'ai pas mis du tout de variété. On va peut-être en mettre une low. Low variety quand même. On est sympa la prochaine fois parce que, hein. Bon. Voilà. On va tester comme ça, voir si c'est mieux. On est à combien de personnes satisfaites? Je comprends pas. C'est bizarre. Putain, mais j'arrête pas de. Tous les prisonniers se cassent, hein, décidément. Je vais bientôt passer en dessous de la barre des 100, quoi. Alors que je fais plus de cellules. Bon, je vais m'arrêter niveau cellules dans ce cas-là. Ah, bah, ils ont pas la flotte ici, là. C'est quoi ce délire? Ah, merde. Mais si, ils ont la flotte. Ah, shit. L'eau, elle arrive pas jusque-là, apparemment. Ah, le mec, il a pas l'eau dans ses chiottes, quoi. Là, il a pas de chance, le gars. Hein. Et ce qui m'énerve, c'est que ça arrête pas de jongler là avec action entre 60 et 30 FPS. C'est un peu chelou là, vous voyez, ça vient de repasser en 30 FPS. Bon, cette histoire d'FPS là, c'est un peu bizarre. Est-ce que la demande en closing a baissé, Needs? Non, elle est toujours aussi importante. Ouais. Faudrait que vous me disiez niveau. Niveau laundry, ce qu'il faut faire. Parce que là, je comprends pas, il y a une demande constante, vous voyez, de linge propre, et pourtant, j'ai 15 000 laveries, quoi. Ah, bah c'est bon, on a reçu la paye, en fait, j'ai même pas fait gaffe. On a reçu la paye, voilà, on peut relier à l'eau, tranquillou. Et on va pouvoir se faire la deuxième. On va rajouter des frigos aussi. Voilà, deux frigos. Un cooker. Un garde éteint injurié, il va falloir le soigner. Alors, qu'est-ce qu'il faut ici? DL. Là. Voilà, on va faire le même modèle. Et des petites machines à laver. Voilà. Parfait avec des drains.
Et j'ai pu un rond. Alors par contre, électricité. Ouais. Flotte, flotte, flotte. Voilà. Là, c'est nickel. Et job, alors, dans ce cas-là, job, déploiement, job. Ah merde, alors là, comment je fais? Job, job, job. Ah, mais ah, c'est pas encore une laundry, d'accord. C'est pas considéré encore. Alors, si j'ai bien compris, job. Ouais, c'est pas encore considéré comme job. Et mes kitchen, ils ont pas. Hey, ils m'ont pas mis les trucs staff only, staff only, staff only. Staff only, staff only, staff only. Oui, parce que ça, ils l'ont pas mis, staff only. Puis c'est tout. Non, c'est bon. Mais par contre, alors j'ai encore zappé là. Putain, comment on fait pour que ce soit un job ici? Les prisonniers peuvent plus travailler dans la prison? C'est quoi ce délire? Alors attendez, je m'en souviens plus. J'ai un putain de. Alors ça, c'est quand même assez fun. Staff only. Pourquoi ils peuvent pas aller bosser là? Ah, très étonnant, dites-moi. Pourquoi ils peuvent pas? Je peux avoir que. Ah, d'accord, ok, il prend cette kitsch. Ouais. Allez, 4, ok, bon. Le danger augmente. Et là, dans cette laverie, ils peuvent pas non plus, non? Bon. J'ai fait cette laverie pour rien. Ok, j'ai les boules. Et le danger augmente là. What the fuck, what the fuck. Alors, la bouffe est prête. Je vais peut-être embaucher d'autres cuisiniers. Staff, on va en rajouter deux. Voilà, deux cuisiniers en plus. Ouais, mon budget baisse, hein, de plus en plus. Les nouveaux prisonniers sont arrivés. Bon, on arrive à maintenir à peu près l'équilibre. Alors là, est-ce que c'est mieux niveau bouffe? On va le savoir maintenant. Bon, épisode pas très intéressant encore une fois, mais là, je vous promets que dans le prochain, je laisserai tourner le jeu avec jusqu'à, allez, je vais essayer 50 000, un peu plus quoi, dans ces eaux-là. Et voir un peu plus, et on verra ce qu'on peut faire. 70%, hein, mission accomplie, les gars, là. Là, c'est beau ce qu'on a fait, hein. J'admire le boulot. Qu'est-ce qui se passe là? Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Encore une fourchette? Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Ah putain, une baston ici. Et là, Bacon, là, il a pété un câble, hein. Il veut voir sa famille, il a encore 34, 24 ans à tirer là. Il en peut plus, hein. Allez, va soigner ce monsieur. Encore une cuillère, des cuillères de partout. D'ailleurs, contrebande. Danger, non. 24 hours. Ouais, regardez-moi ça, des tournes. Ah, tournevis. Le mec, il a réussi à se trimballer avec un tourne. Ah mais d'accord, le mec il est rentré dans la prison avec un tournevis. Alors oui, ils sont forts. Alors les mecs qui amènent les prisonniers dans les prisons, ils sont forts. Ils les fouillent même pas. Non. Rien à foutre. Non, c'est des criminels, ils sont gentils. Ils ont rien sur eux, bien sûr. Oui bon, par contre là, ça suffit les pauses. Hein. Je sens que je vais devoir refaire une salle de pause. Parce que c'est glandeur, le garde là, ça va plus hein. Ah, bah tiens, ils font des pommes de terre. Il n'y a plus que du chou maintenant. Ils font des pommes de terre aussi maintenant. Là, ça bosse bien. Hein. Là, on a une cuisine industrielle, hein, j'ai envie de dire. Bon, on arrive bientôt à la fin de la fin. On arrive à la fin de l'épisode. Alors, on va juste voir. Bon, là, regardez-moi ça, la quantité de repas disponible. Ils ont juste à les poser. Ah là, ça arrive tranquillou. Ici aussi, ça bosse en haut. Ah ouais, là, ça bosse. Normalement, tout le monde a quasiment un repas. Ouais, c'est parfait là. Par contre, il n'y a pas le petit pourcentage. Si, si, c'est bon, il arrive. Voilà, la bouffe arrive tranquillou. Là, voilà, là, il y a la quantité. Ils peuvent tous se servir. Regardez, c'est parfait. On n'a quasiment aucun prisonnier. Voilà, la bouffe, c'est nickel. Et pourtant, attendez, je stresse un petit peu là. Regardez toute la bouffe dispo là. Pourquoi vous bouffez pas, les mecs? Autosaving, j'ai peur. Bon. Bon, on va se quitter là-dessus. Bon, ben voilà, ils sont tous satisfaits. C'est nickel. Le danger est de 1, on sait pas pour. Ah, il augmente. Et je ferai un checkdown, bien sûr, plus tard.
Ok, bon les amis, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et un petit commentaire, à poser des questions sur Facebook et Twitter bien évidemment, ou même sur Google Plus aussi, comme vous voulez, moi je m'en fous, et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo avec mon nouveau micro, je l'espère, hein, le temps que j'achète le câble, bon normalement on va essayer de faire ça le plus tôt possible, mais je ne vous garantis absolument rien. Bon, allez! Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut à tous.